comme stratège, je voudrais faire un rappel et un souvenir. Les dernières expositions que j'ai faites, celle-ci c'est la troisième, elles ont toujours été faites ou réalisées d'après un concept et un événement social ou mondial. Et ceci a commencé à me préoccuper depuis la conférence internationale du climat, la COP 22, à Marrakech. Et j'avais fait une série d'œuvres qui se référaient à ce qui se passe dans le monde. J'ai produit des peintures qui font allusion notamment aux pays qui polluent le monde, les grandes puissances, et certains aspects de la vie quotidienne. On voit que la nature, le climat n'est plus respecté, on piétine tout, la végétation, etc. Alors, cette exposition intitulée Melech et le déluge, je travaillais ces toiles et j'ai commencé à les faire pendant qu'il y a eu des inondations surprenantes aux États-Unis, en Chine, en Espagne, en Italie, des ponts qui tombent. Et donc j'ai dit, peut-être ça c'est une période où la nature s'annonce à l'humanité que si on ne fait pas attention au climat et à la condition atmosphérique, on risque d'avoir un autre déluge comme celui, le déluge biblique. C'est ça le sujet de cette expérience. Donc le détail, c'est que mon travail qui consiste avec beaucoup de motifs ondulés, c'est comme un alphabet, donc je l'ai. D'ailleurs, Moulim Larossé l'explique très bien. Il dit que pendant que les ondes ou les vagues exprimaient une sensualité, beaucoup de choses positives, maintenant elles expriment une situation désastreuse. Voilà. Je crois que tu l'as lu. Donc voilà, et je pense pour conclure que l'artiste aujourd'hui, il est un chroniqueur aussi. C'est comme le journalisme. C'est un journaliste à sa manière. Mais aujourd'hui, beaucoup plus quand l'expression artistique est devenue de plus en plus abstraite, on sent des fois le besoin de communiquer un message, entre guillemets. Hein? Donc, l'abstraction aussi exprime beaucoup de choses, mais quand on arrive à faire un travail artistique, que ce soit en peinture, en écriture, c'est-à-dire de raconter, n'est-ce pas, de relater une situation, ça communique beaucoup plus aux gens. Maintenant, cette exposition avec ce titre, le public va être beaucoup plus amené à comprendre, à lire l'art, la peinture.